Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet que je vous ai un peu teasé dans ma vidéo précédente. Et c'est le fait que j'ai lancé mon business au Sénégal, en Afrique, Léna B Immobilier. Et donc, je vais vous raconter un peu tout ça et vous expliquer en quoi consiste ce business. Donc, ne bougez pas si vous voulez tout savoir. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai lancé mon business dans l'immobilier au Sénégal, ma structure qui s'appelle Léna B Immobilier, pour ne pas changer. On reste toujours dans le même univers et voilà, c'est une structure qui est très proche de Léna B Consulting, où je vous accompagne, je vous conseille sur vos projets d'entrepreneuriat, dans vos projets immobiliers, où vraiment je fais de l'accompagnement et du coaching. Eh bien, au Sénégal, j'ai créé une structure beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus opérationnelle, qui s'appelle Léna B Immobilier. Et l'objectif de cette structure, c'est de répondre à un besoin pour moi, un besoin qui est réel, c'est d'accompagner les Africains, les membres de la diaspora dans leurs projets immobiliers en Afrique, donc plus précisément au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leurs projets d'acquisition, de gestion, de mise en service, de location de leurs biens immobiliers en Afrique. Et ça concerne vraiment une large palette. Que vous soyez propriétaire de terre ou d'un bien, que vous souhaitiez être propriétaire ou même que vous ne puissiez pas être propriétaire mais que vous voulez quand même vous impliquer et avoir un projet dans l'immobilier via la sous-location, eh bien, c'est possible. Et c'est ce que Léna B Immobilier va vous aider à réaliser. Comme vous le savez, ça fait un moment que je fais en parallèle de mon activité de consultante, de coaching, de l'immobilier à titre personnel. J'ai investi à titre personnel dans l'immobilier en France et en Afrique et j'ai des biens que je gère en location courte durée. Et donc, à partir de ce moment-là, étant donné que j'avais cumulé énormément d'expérience dans mon projet au Sénégal de construction d'un immeuble avec plusieurs appartements, de l'aménagement, l'ameublement de ces biens-là, de leur mise en gestion locative, eh bien, je me suis dit que c'est vraiment des connaissances à partager avec d'autres personnes parce que je sais qu'il y a beaucoup d'histoires horribles, des films d'horreur qui nous sont transmis de génération en génération sur ce que nos parents ont vécu sur leurs projets de construction en Afrique. C'est souvent des histoires de vie. Voilà, nos parents sont venus en Europe, je parle en global, hein, les histoires peuvent être différentes, mais les parents sont venus en Europe pour travailler, pour donner un meilleur avenir à leurs enfants, mais leur projet, c'était vraiment de construire une maison en Afrique dans laquelle passer leurs vacances ou leurs vieux jours. Et souvent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui finissent en « je me suis fait escroquer, mon entrepreneur n'était pas bon, j'ai confié à un membre de ma famille qui n'a pas géré, qui a profité de moi, qui a abusé ». On a même des histoires extrêmes où les gens pensaient avoir une maison en Afrique, on leur envoyait des photos et quand ils sont arrivés, eh bien, très mauvaise surprise, il n'y avait rien. Et donc, c'est vrai que moi, issue d'une génération, on va dire, plus jeune que celle de nos parents, avec des mentalités différentes, beaucoup plus carrées, et avec mon background de chef de projet, c'est vrai que j'aime les choses structurées. Et dans le cadre des projets que j'ai menés et que je mène, c'est un peu le mindset que j'ai eu. Structurer, avoir de la transparence, connaître les acteurs, s'assurer que les acteurs sont qualifiés et savent de quoi ils parlent, mettre en place des contrats, mettre en place des processus de contrôle et s'assurer que ce qu'on fait, eh bien, ça tient la route. Et donc, je pense que c'est vraiment ce qu'il manque. Mais heureusement, il y a de plus en plus de jeunes professionnels qui sont en Afrique et qui ont le même mindset. Et l'idée, c'était de se dire, écoutez, on va essayer de faire évoluer les choses et de partir sur un système beaucoup plus straight to the point, efficace et qui permette aux gens d'avoir les choses pour lesquelles ils ont payé et les choses qu'ils ont demandées. Il y a aussi un élément un peu d'ambition, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des ambitions hautes, d'avoir des projets ambitieux et de vouloir avoir des choses de qualité. Et souvent, ça aussi, c'est un clash générationnel auquel j'ai été confrontée.
de se dire ah faut toujours voir plus petit, etc. Et la promesse de Nina B Immobilier, c'est de vous permettre justement de réaliser des projets ambitieux qui vont vous permettre aussi de matérialiser le lien avec votre pays d'origine ou votre continent d'origine ou un endroit qui vous tient à cœur. Donc voilà, c'est à peu près ça le pitch de Nina B Immobilier. Et donc comme je vous ai dit et comme j'ai toujours dit, et c'est vraiment la rengaine de cette chaîne, de ma personne, c'est que je ne vais que sur des territoires que je connais. Donc, quand je propose un service, c'est que j'en ai moi-même eu l'expérience. C'est pour ça que Nina B Immobilier, aujourd'hui, est structuré autour de 3 offres principales. On en a une 4e qui est autour du conseil de l'accompagnement qui a toujours existé, même via Nina B Consulting. Mais je vais me concentrer sur les 3 offres concrètes. Donc, la première chose que propose Nina B Immobilier, c'est la gestion locative. Donc, étant donné que je le fais déjà à titre personnel, la gestion locative sur les plateformes comme Airbnb, où mes biens ont de très très bonnes performances en tant que super hôte, j'ai été approchée par plusieurs personnes qui voulaient avoir justement des biens du même standing que le mien, qui fonctionnent de la même manière. Donc, du coup, j'ai créé mon service de conciergerie. Donc au Sénégal, à Dakar, où je prends en gestion des biens de personnes qui n'arrivent pas à les gérer pour les aider à atteindre de meilleures performances, un meilleur service et les mettre sur le marché locatif en location courte durée, donc au Sénégal. Après, bien sûr, on peut faire de la location longue durée également, dépendamment de ce que veut le client. Mais l'idée, c'est vraiment à travers mon expertise et mon expérience du service à la clientèle et mon personnel sur place, faire de la gestion locative pour le compte de personnes qui sont soit à l'étranger, qui n'arrivent pas à gérer, ou bien sur place, mais qui n'ont pas les compétences ou l'expertise. Donc là, je vais vous insérer normalement des vidéos où vous voyez justement des biens que j'ai rajoutés à mon portefeuille de gestion. Et donc, ça passe par plusieurs étapes. Il faut s'assurer que le bien déjà corresponde au standing parce que je ne peux pas mettre sur le marché des biens auxquels je ne crois pas moi-même. Donc, l'idée, c'est de vraiment proposer un certain standing. Si le bien n'est pas encore au standing, on va faire un diagnostic et on va donner des préconisations et des conseils à la personne pour pouvoir être au bon standing. Et à côté de ça, lorsque j'accepte de prendre un bien en gestion, il y a tout le processus de prendre des photos professionnelles, de mettre le bien dans son meilleur jour, créer des annonces, faire du conseil en pricing, en gestion locative, etc., etc. Le deuxième service, c'est tout ce qui est service d'aménagement. Donc, à travers mon projet donc de construction et de mise en location de logements qu'on a créé de toutes pièces, en fait, j'ai eu vraiment à aller chercher des fournisseurs pour vraiment avoir des meubles, on va dire, d'exception. Des meubles qualitatifs qui ne sont pas forcément trop présents sur le marché africain ou sénégalais. Soit les meubles importés sont excessivement chers, les cuisines aménagées, je n'en parle même pas. C'est des prix, si on veut avoir le même standing qu'en France, c'est des prix excessifs. Donc, en fait, quand j'ai fait mon projet, je suis partie à la recherche de fournisseurs de qualité où on peut créer des cuisines sur mesure, des meubles sur mesure avec les finitions, les coloris que les gens souhaitent, avec vraiment une qualité qu'on voit rarement en Afrique. Et justement, l'idée, c'est de continuer à aider des gens à aménager leurs appartements. Que ça soit pour leur consommation personnelle ou à but locatif, eh bien, Nina B Immobilier va vous accompagner pour créer et acquérir vos mobiliers de qualité. Malheureusement, je n'ai pas pu me fournir à 100% en local parce que c'est ce qu'on souhaite. On veut toujours pousser l'économie locale, les artisans locaux, mais en tout cas, à ce stade, tout mon mobilier ne vient pas du local, mais j'ai des partenaires de qualité qui me permettent d'acquérir des biens. Et donc, voilà, en toute transparence avec mes clients, je leur permets de faire ce processus-là d'aménagement avec du designing pour avoir vraiment des pièces cohérentes et des décorations cohérentes et du mobilier de qualité. Et vous verrez justement dans les images que je vais insérer à côté un peu les choses qu'on propose. Et surtout, plus particulièrement dans la location courte durée, étant donné que les marchés africains, comme le marché sénégalais à Dakar, il est très très concurrentiel. Ce qui va souvent faire la différence, c'est le confort, c'est l'aménagement. Et c'est là qu'il faut vraiment mettre la patate.
Donc, la deuxième offre, c'est l'aménagement. Et enfin, la troisième et dernière offre, ça va être la partie la plus ambitieuse, la plus conséquente de l'ENAB immobilier, c'est les projets de construction. Donc, en Afrique, on construit beaucoup. Voilà, il y a des terrains. On a la chance d'avoir toujours des terrains disponibles, même si certaines grosses villes commencent à être très, très bouchées. Mais dans les autres régions, en périphérie des grandes villes, il y a toujours des terrains à des prix relativement abordables. Et l'idée, c'est d'accompagner des gens sur des projets de vie, des projets de construction de leurs maisons, de leurs immeubles à but locatif ou à but personnel. Et ces quatre dernières années, j'ai énormément appris dans le domaine de la construction. J'ai pu tomber sur des personnes qui n'étaient pas qualifiées, mais j'ai pu aussi vraiment voir des personnes qualifiées et j'ai pu justement composer mon équipe comme ça. Une équipe où j'ai vraiment chaque acteur d'un projet de construction, des personnes qui sont sur le terrain, qui me permettent vraiment d'accompagner et de suivre des projets de très 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 près, des processus sécurisés où on peut construire des maisons, des immeubles aux normes de sécurité avec un process transparent où on essaye aussi d'accompagner des personnes sur des projets avec des budgets corrects et pour être une alternative aujourd'hui par rapport aux gros promoteurs immobiliers qui font des projets un peu plus en masse. On a moins la possibilité de faire des économies. Et l'idée donc pour le moment, c'est d'accompagner une poignée de clients qui veulent mettre en place leur projet de construction au Sénégal. Donc moi, je serai en mesure aujourd'hui d'accompagner vraiment au Sénégal sur ces projets-là. J'espère pouvoir étendre. Mais le périmètre de la construction aujourd'hui est sur le Sénégal. Sur les autres domaines de la gestion locative et de l'aménagement, ça peut être plus large en Afrique de l'Ouest. Mais sur la construction, ça sera au démarrage sur le Sénégal. Je vous tiendrai bien sûr au courant. J'irai voir les autres marchés. Et l'objectif, c'est que ça évolue, que ça grossisse, mais que ça grossisse tout en gardant toujours le même niveau de qualité et de sérieux. Donc là, j'ai démarré un premier projet donc en périphérie de Dakar, d'une villa que je vous mettrai des images en parallèle qui vient tout juste de démarrer. Et je ne manquerai pas de vous donner de la visibilité sur l'avancement du projet et j'espère bientôt le résultat final. Comme je vous l'ai dit, le sujet de la construction, il y a énormément de traumatismes qu'on a hérité par rapport aux histoires de nos parents. C'est pas évident, c'est des projets délicats et c'est pour ça qu'il faut avoir des bons partenaires, des personnes qui ont vraiment une présence sur le terrain, qui ont des bonnes équipes et qui vont vraiment vous permettre de suivre votre projet en toute sérénité, qui vont être transparents avec vous, qui vont vous donner des informations réalistes et justement pouvoir gérer vos projets ambitieux et vous dire que c'est possible. Donc voilà, c'est la promesse de l'ENAB Immobilier. C'est un projet qui me réjouit énormément. Bien sûr que l'immobilier, c'est pas facile. J'en ai fait l'expérience, mais le résultat final est tellement satisfaisant que j'ai voulu recommencer et que j'ai voulu étendre et partager au-delà de ma propre personne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me contacter si vous voulez des informations complémentaires. Et voilà, je ne manquerai pas de vous donner des updates sur les projets, sur comment ça se passe, à vous faire des vidéos sur le sujet. En tout cas, je me réjouis vachement de ce projet-là et de tout ce que ça va générer. Et donc voilà, pour l'ENAB Immobilier, restez connectés, vous allez en entendre parler encore et encore. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir m'en parler, ma boîte de réception est ouverte. Et donc, je vais conclure la vidéo ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires, à partager les vidéos à des personnes qui pourraient être intéressées et à venir me suivre sur Instagram, à aller écouter mon podcast Les Réflexions de Léna et n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet toutes les ressources que je vous propose gratuitement pour vous aider à vous développer, à développer votre gestion financière, vos projets immobiliers et vos projets entrepreneuriaux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers !